Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment verrouiller tous les iPads de tes élèves pour pouvoir donner des explications grâce à l'application en classe. Donc, je démarre l'application en classe. Une fois dans l'application en classe, j'ai bien sélectionné ma classe. Je vois les appareils de mes élèves et je désire les verrouiller tous d'un seul coup pour pouvoir donner des explications. Donc, très pratique ici, le bouton. Donc, présentement, tous les iPads de mes élèves affichent un écran avec un cadenas. Il est écrit « Cet iPad a été verrouillé par Mme K. » Ils ne peuvent absolument rien faire tant que si longtemps que je n'ai pas déverrouillé les iPads. Donc, ce que je vais faire à l'instant, tout simplement en appuyant sur le cadenas ouvert ici. Donc, ça vient de déverrouiller l'iPad. Et maintenant, mes élèves sont capables de continuer le travail. C'est également possible de verrouiller l'iPad d'un seul élève. Par exemple, si vous avez un élève qui dérange un peu et que vous désirez qu'il vienne vous voir, bien, il suffit de verrouiller son iPad et il sera obligé de vous demander de le déverrouiller. Donc, je sélectionne l'iPad en question. Je sélectionne « Verrouiller ». Et voilà, il y a un seul élève qui ne peut plus travailler. Donc, tant que je n'aurai pas déverrouillé son iPad, il verra un cadenas sur son écran. Pour le déverrouiller, il suffit d'appuyer ici et de faire « Déverrouiller ». Je pourrais également sélectionner le « Déverrouiller » tous les iPads qui sont verrouillés d'un seul coup. Voilà, c'était comment verrouiller les iPads des élèves via l'application en classe.